Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je me retrouve, je suis sorti de chez moi pour prendre l'air et aller faire quelques courses avec mon vélo cargo. Voilà à quoi ressemble mon vélo cargo que j'ai fabriqué moi-même. Alors, je suis parti sur la base d'un vieux vélo que j'ai acheté une vingtaine d'euros sur le Bon Coin. Faut vraiment pas y mettre d'argent. Et après, j'ai suivi des plans que j'ai trouvés sur internet. Et grâce à ces plans, j'ai pu me faire ce petit vélo cargo qui me sert pour aller faire les courses, qui me sert pour aller chercher mes enfants à l'école. De l'ancien vélo, j'ai regardé toute la partie arrière. Ici, bon, on voit mes soudures qui sont pas très très jolies, là je le reconnais. Ici, j'ai juste gardé un petit bout et j'ai fait manchon avec ce gros tube. Là, toute la partie arrière, c'est le vélo. Là, ça a été soudé. Là, ça a été coupé. Là aussi, ça a été soudé. Et au moins, ça, ce tube-là a servi de jonction et celui-là en haut, c'est pareil. J'ai pu emmancher toute la partie avant, donc, que j'ai construite parce que normalement, bien sûr, quand je reviens ici, ça c'est un tube en fer qu'il a fallu que je bricole pour la direction. Et que la direction est un peu... Ici j'ai quand même récupéré dedans le roulement. Bon, il y a du jeu, hein. Il y a un petit peu de jeu, mais bon, ça c'est pas grave. Hein. Je fais pas non plus des kilomètres énormes. En haut, j'ai coupé ici, pas de potence. Je suis sur le cintre direct. Donc le cintre, ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai chauffé, je l'ai un petit peu tordu. Là aussi. Faut éviter que l'enfant qui a la tête devant prenne des coups de guidon dans la tête. Voilà, donc on est sur un tube principal ici. Avec d'autre côté, un système de renvoi avec cette barre qui est dessous. Voilà. Ça, avec ce système de réglage. Drôlement pratique. Donc si je bouge le guidon, on a bien le renvoi. Jusqu'à la roue de devant. Voilà. Ça fait exprès que ce soit un petit peu tordu. Au moins comme c'est tordu, ici on voit bien le système, voilà, qui est de tourner. J'ai récupéré une vieille fourche. Le vélo était complètement cassé de l'arrière. C'est bon pour la benne. Et heureusement, j'ai pu récupérer donc cette fourche. C'est un pneu de 20 pouces à l'avant. Et derrière, c'est du 26 pouces. Hein, c'est du vélo. Voilà, on voit encore ici que j'ai disqué. Voilà, donc j'ai gardé cette partie jusqu'ici. Ici, après, j'ai ressoudé, on le voit bien. Donc la fourche, petit amortisseur, bon, ça c'est pour faire joli. Voilà le frein. Et j'ai récupéré le frein avec le câble qui passe dessous. Après, chose importante, la béquille centrale qui permet de bien tenir le vélo, parce que sans béquille pour le poser, c'est quand même assez lourd. Voilà la fameuse béquille. Et après la partie, on va dire caisse, une caisse en bois simplement que j'ai peint en blanc. Ce qu'on voit en bleu, c'est tout simplement une petite ceinture. Derrière, un petit espace pour voilà, mettre les casques. Soy de las alturas de Chile, de Pinamar yo soy. Donde el viento le canta la vida en cada puesta de sol. Donde el viento le canta la vida en cada puesta de sol. De Socoroma vengo, negrita, a Chambiquí.
pájaros y cachar payas que el viento hizo resucitar. Carnaval de Pachama, fiesta de la Aymara. Guainos y cachar payas que el viento hizo resucitar. Guainos y cachar payas que el viento hizo resucitar. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye bye.